Vous pensez toujours que vous traversez les moments les plus difficiles de la vie, jusqu'à ce que vous tombiez sur d'autres histoires complètement différentes de la vôtre. Aujourd'hui, nous vous présentons l'histoire de ces enfants dont le seul souhait le plus ardent est que leur mère meure, car ils ont totalement perdu espoir qu'elle guérisse de ce qui la tue lentement. C'est une chose très rare d'entendre des enfants qui ont en moyenne 5 ans considérer la mort comme la seule solution pour la femme qui les a mis au monde. Aujourd'hui, dans ces villages, il n'y a pas beaucoup de gens qui vivent ici dans ce village. C'est un village aéré et c'est là que nous avons trouvé cette famille avec une histoire qui a choqué tous ceux qui l'ont entendu. Avant de continuer la vidéo, si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne plus rater de la sortie de nos prochaines vidéos. C'est Samuel, lui c'est Lamba, et voici Irgoya, la plus jeune d'entre eux. Ils ne savent pas ce qui arrive à leur maman, mais ils continuent à la voir développer de nombreuses blessures jour après jour. Ils ne sont que des enfants, ce qui signifie qu'ils ne peuvent pas se permettre de l'amener à l'hôpital. Malheureusement, elle-même ne se souvient pas quand cela est arrivé exactement. Ils disent que tout a commencé en 2017, quand leur mère a commencé à se plaindre d'une douleur qu'elle ressentait, et en un rien de temps, sa peau a commencé à développer des plaies. À ce moment-là, elle pouvait encore marcher. Les médecins l'ont examinée. Ils n'ont pas trouvé ce qui n'allait pas avec elle. Alors, ils lui ont conseillé d'y retourner quelques jours plus tard. Son mari qui était avec elle et ensemble travaillait pour subvenir aux besoins de la famille est décédé entre-temps. Elle s'est retrouvée maintenant seule avec ses enfants. Cela l'a semé dans la confusion quant à la façon dont elle allait s'occuper de ses enfants sans travail ni aide. Ses enfants étaient encore à l'école et la situation n'était pas encore pire. Mais quelques jours plus tard, leur mère ne pouvait plus mystérieusement marcher. Alors ils ont douloureusement décidé d'abandonner l'école et s'occuper d'elle. C'est Samuel qui a abandonné l'école au début. Il a décidé de rester à la maison pour s'occuper de sa maman. Il n'en fallait pas longtemps pour qu'il commence à mourir de faim, parce qu'il n'avait personne d'autre pour travailler et les nourrir. Alors il a décidé de sortir et de chercher à manger pour la famille. Il allait dans la rue pour charger des camions et mendier aussi. Il laissait toujours sa mère seule dans la maison alors qu'elle avait besoin d'aide. Alors les deux autres ont décidé eux aussi d'abandonner l'école pour s'occuper de leur mère, pendant que Samuel lutte dans la rue. Ils rapportaient souvent à manger, mais ce n'était pas assez. Ils n'ont pas amené leur mère à l'hôpital parce qu'ils n'avaient pas les moyens de payer les frais d'hospitalisation. Elle n'arrête pas de crier à cause des blessures et eux, ils se contentent de la regarder et souvent essayent de la calmer parce qu'ils ne peuvent rien y faire. Ils n'ont pas les moyens d'acheter un matelas, alors ce qu'ils ont fait, c'est trouver des matelas souples sur des chantiers et c'est là-dessus qu'elle dort. Se laver est impossible pour cette femme. Ce qu'ils font, c'est prendre un chiffon, mouiller et nettoyer son corps en essayant de ne pas lui faire mal. Elle ne peut pas aller aux toilettes, elle urine et fait ses besoins sur elle-même. Et ce sont ces petits garçons qui nettoient tout ça.
La douleur qu'elle endure est immonde. Ils n'ont aucun espoir qu'elle guérisse un jour. On dirait qu'elle vit ses derniers jours de la façon dont ils la regardent. Son corps est plein de blessures. Elle ne mange pas bien. Tandis qu'elle continue à perdre beaucoup de liquide par ses blessures. Rien qu'en la regardant, on peut dire que son corps est en train de sécher. Elle continue à pleurer et à dire que c'est sa faute si ses enfants ont abandonné l'école. Elle dit qu'elle a littéralement ruiné leur vie et leur avenir aussi. Elle souhaite mourir avant d'être une charge pour eux. Car selon elle, voir un enfant de 5 ans nettoyer l'urine de sa mère est embarrassant. Ils n'ont pas de chaussures ou même de vêtements, puisque le peu d'argent qu'ils gagnent est toujours utilisé pour mettre quelque chose sous la langue. Selon la façon dont ils voient leur mère, ils disent qu'il est impossible pour leur mère de guérir, puisqu'ils ne peuvent pas lui donner un traitement approprié qu'elle mérite. Ils veulent tous que cette situation prenne fin, parce qu'ils vivent comme ça depuis 5 ans maintenant, ce qui signifie que lorsque tout a commencé, le dernier n'était qu'un bébé. Il a été élevé par ses autres frères. Il a grandi dans cette vie et il s'est adapté à cette situation. Elle demande à tous ceux qui regardent ça d'aider leur mère à aller à l'hôpital pour se faire soigner parce qu'elle est tout ce qu'ils ont depuis que leur père n'est plus. Si vous voulez faire un don à cette, le lien de donation se trouve en description et en commentaire épinglé. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne plus rater de la sortie de nos prochaines vidéos. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo.